Qu'est-ce que je peux faire? Qui aurait cru que les chevaliers se défieraient pour le plaisir? Qu'il faudrait faire venir un sorceleur du Nord pour les aider. Où est encore passé ce vieux? Je suis à vous. Sorceleur est un bon camarade, même là, tu sais. J'ai envie de foie gras. Un bon gros morceau avec olive. Wow, wow, ça pue. Oh. Ramasser au problème de Toussaint, un retour aux mœurs traditionnelles. Pas aux épaules. Pas d'attroupement. Oh là! Votre Majesté. Bien sûr. Gérald de Rive, maître sorceleur. J'avais raison. À peine êtes-vous arrivé que les ennuis apparaissent. Écartez-vous. Je dois parler à la Duchesse. Enfin, sorceleur. Nous nous faisions un sang d'encre. Avez-vous attrapé l'assassin de Milton? L'affaire est plus grave que nous le pensions. Je n'ai pas tué la bête. Je n'ai pas réussi. Nous vous envoyons chasser un monstre et vous revenez les mains vides? Nous sommes très déçus. La situation n'est pas aussi simple. La bête est un puissant vampire. Est-ce un problème? Est-ce trop demandé à un sorceleur? Tout le monde sait comment tuer un vampire. Il faut l'attirer au soleil par la ruse. Ou s'armer d'un stock d'ail et lui planter un pieu dans le cœur. L'ail ne sert à rien contre les vampires. Et le soleil et les pieux ne leur font aucun mal. Ces méthodes ne sont que pure invention. Ça ne fonctionne que dans les légendes. Et le nerprin? Quand j'étais petite, grand-mère Adémartha disait toujours que cette plante chassait les vampires. Une épée en argent est le plus efficace pour les tenir à distance. Mais ça ne les tuera pas. Seul un vampire supérieur peut tuer pour de bon un autre vampire de ce type. Des excuses. Votre Majesté, je vais organiser une battue et régler ça sur le champ. Le sorceleur n'a qu'à nous dire où trouver ce monstre. Doucement, c'est un travail pour un sorceleur, pas pour vos gardes. Quand un sorceleur échoue, mes gardes doivent prendre le relais. Je vais mobiliser mes 40 meilleurs vétérans. Aucun vampire ne pourra leur résister. 40, 50, 100, peu importe, ça ne fera aucune différence contre lui. Vous n'avez pas vu mes gardes à l'œuvre. Peuvent-ils combattre la brume? Frapper une cible plus rapide que le vent? Mais...
Quelle créature pourrait faire ça? Une créature comme celle-là. On les appelle les vampires supérieurs. Chacun est un peu différent, unique ou exceptionnel en un sens. Certains se transforment en chauves-souris géantes, d'autres communiquent avec des animaux et les contrôlent. Tous restent pourtant de stupides bêtes. C'est là que vous faites erreur. Vous pensez aux vampires inférieurs, comme les alpires ou les échimes. Ceux-là sont guidés par leur instinct. Ils attaquent tout ce qui a l'odeur du sang. Les vampires supérieurs, eux, pensent, raisonnent. Des monstres qui raisonnent. Curieuse affirmation. Que comptez-vous faire, alors ? Je vais essayer de lui parler. C'est le mieux à faire. Je n'en reviens pas. Sa Majesté convoque un sorceleur pour tuer un monstre, mais lui préfère lui parler. Je sais ce que je fais. Son amante a été enlevée. On le fait chanter. Chanter ? Ayez l'obligeance de nous expliquer comment on peut faire chanter un vampire. Les vampires supérieurs sont comme nous. Ils sont guidés par leurs émotions, pas par l'instinct. En plus d'être très intelligents, ils peuvent éprouver des émotions très variées, dont l'amour. Celui-ci est tombé amoureux d'une humaine, et il fera tout pour éviter qu'on lui fasse du mal. Seriez-vous en train de suggérer qu'on épargne le tueur de Milton ? Ou qu'on le laisse frapper à nouveau ? Il faut le neutraliser aussi vite que possible. Je vais trouver le maître chanteur et libérer l'amante du vampire. Il n'aura plus de raison de tuer. Vous deviez l'éliminer, pas l'aider. Le plus important, c'est d'empêcher qu'il y ait d'autres victimes. Dès que la femme sera en sécurité, il n'aura plus aucune raison de tuer. Ce que vous dites me trouble, sorceleur. Vous avez peut-être raison. Savez-vous quelque chose sur le maître chanteur ? J'ai une piste. Quelques bouts de papier. Le maître chanteur a écrit les noms des victimes dessus. Sur l'un d'eux, il y a une sorte de tache de vin. C'est assez mince pour commencer. Vous vous trompez lourdement, mon cher. Allez chercher le sommelier du Cal. Plus vite que ça. À Toussaint, le vin est sacré. Ici, on ne sait point ce qu'est une tache de vin. On va parler d'une tache d'Est-Est, d'Hervélus ou de Fiorano. Vous m'avez fait mander, Votre Majesté. Sorceleur, montrez-lui le papier. Benoît, pouvez-vous déterminer quel vin a laissé cette tache ? Oui, oh oui, rive ouest de la Sans-Retour. Oui, c'est assez évident. Vieillé en fût de chêne de Beauclair. Robe pourpre, grande clarté. C'est évident, du sang réal, millésime 1269. C'est impossible. Ce vin est produit à Castel Ravello. Exclusivement pour la table ducale. Aurait-on volé du sang réal ? Il faut nous rendre au vignoble pour voir s'il n'y a pas eu un incident. Un instant. Votre Majesté veut m'accompagner ? C'est hors de question. Croyez-vous que nous allons rester assises sur notre ducale séant alors que notre duché court un grave danger ? Votre Majesté, ce que vous proposez est par trop dangereux. Le sorceleur devrait y aller seul. Vous me voyez ravi que vous tombiez enfin d'accord, messieurs, mais ma décision est prise. Nous irons en compagnie de la meilleure escorte possible. Vous, capitaine, et Gérald. Nous voyagerons incognito. Rien ne sert d'alimenter les ragots de la cour. Pour la durée de cette mission, je vous décharge de votre obligation de suivre le protocole de la cour. Je ne suis plus Votre Majesté, mais Anna Henrietta. Bien, Votre Majesté. Sorceleur, êtes-vous prêt ? Oui, on peut y aller. Excellent. Laissez-moi le temps d'enfiler quelque chose de plus adapté et discret.
Ensuite, nous pourrons y aller. Avez-vous déjà rencontré des vampires de ce genre ? Oui. Comment cela s'est-il fini ? L'avez-vous tué ? Je n'ai pas eu à l'affronter. Il n'avait tué personne. Savez-vous si quelqu'un a déjà réussi à vaincre un tel vampire ? Je connais quelqu'un qui en a bel et bien vaincu un, mais il n'a pas réussi à le tuer. Seul un vampire peut tuer un autre vampire pour de bon. Ont attaqué le chariot. Il faut intervenir. N'approchez pas, mon chariot. Laissez-nous nous en charger. À l'aide ! Qu'est-ce que t'es moche ? Monde. Ils ont eu de la chance. Merci. Qu'on arrive. Vous nous avez sauvé la vie. Hurrah ! Plus vite. Parlez-moi de ce vignoble. Castel Ravello, c'est ça ? C'est le meilleur de tout ça. Il est géré par un vieux maître vigneron, Fabricio. Et on peut lui faire confiance ? Il occupe ce poste depuis des années. Il n'y avait jamais eu de problème. J'aimerais avoir votre avis, Gérald. Comment la tâche de sang réal a-t-elle atterri sur le papier ? Quelqu'un du vignoble fait-il chanter le vampire ? Ça pourrait être un serviteur, l'intendant. Ou bien le vin vient juste d'être dérobé au domaine. Nous le saurons une fois. Est-ce ainsi que vous escortez son illustre altesse ? Où aviez-vous la tête ? Capitaine, ce n'est guère le moment de vous plaindre. Quant à vous, sorceleur, ne vous éloignez plus. Capitaine de la tour ! Nous n'attendions aucune visite du palais. Comment vont les affaires à la cour ? Vous avez sûrement entendu parler de la bête de Beauclerc. Eh bien, nous avons fort à faire. Surtout depuis que cette crapule a attaqué dans les jardins du palais. J'espère que son illustre Altesse n'a point été blessée. C'est gentil de vous inquiéter, Maître Fabricio. Je vais bien. Votre Majesté ? Nous n'avons point été prévenus. Je vais donner l'ordre de préparer le salon. Ce ne sera point nécessaire. Comme vous pouvez le voir, ce n'est point une visite officielle. Naturellement. Puis-je savoir ce qui vous amène à Castel Ravello dans ce cas ? Nous voulions vous voir. Nous avons des questions. Dans cette région, il est plus poli de se présenter avant de poser des questions. Voici Gérald de Rive, un sorceleur. Je l'ai invité personnellement à venir à Toussaint. Ce qui veut dire ? Que j'attends que vous le traitiez avec le plus grand respect. Oui, bien sûr, Votre Majesté. Avez-vous entendu, sorceleur ? Fabricio sera ravi de répondre à toutes vos questions.
Parlons un peu du sang réel. Je suis à votre service. Combien d'ouvriers du vignoble ont accès au sang réel ? Rien que moi, d'une certaine façon. Oui, enfin, vous ne produisez pas le vin tout seul. Il doit y avoir au moins une dizaine d'autres ouvriers ici. Vous n'entendez manifestement rien à la production du vin. Le raisin suit un long processus avant de devenir du sang réel. Les ouvriers ne m'assistent que pour la fermentation. Je supervise personnellement la macération et ne laisse personne approcher de la cuve. Les ouvriers m'assistent à nouveau pour la mise en fût, mais je scelle alors chaque fût de vieillissement moi-même. Le vin repose à la cave, prend du caractère. Une fois ce processus achevé, nous avons du sang réel. Et à ce stade, je suis le seul à avoir la clé de la cave en question. Qui transporte les fûts jusqu'au palais ? Nous avons notre propre garnison. Des gardes qui servent ici depuis des années et se porteraient garants du vin sur leur vie. Cela ne nous avancera à rien de poser des questions. C'est une perte de temps. Votre Majesté, qu'entendez-vous par là ? Maître Fabricio, nous avons la preuve que quelqu'un a eu accès au sang réel. Quelqu'un qui n'en avait point le droit. Alors de deux choses l'une. Soit vous nous mentez, soit vous êtes un idiot qui s'est fait voler du vin sous son nez sans s'en rendre compte. Dans les deux cas, vous devrez en répondre. Mais... Silence. Et écoutez-moi bien. Je vais aller inspecter les fûts en personne, ce qui vous laissera le temps de réfléchir. À mon retour, j'exigerai des réponses. Rappelez-moi, où stocke-t-on le sang réel ? Dans la cave principale, juste au coin. Je vais vous montrer. Je saurai la trouver. Donnez-moi la clé et attendez ici. Oui, bien sûr, Votre Majesté. Tenez. Venez, sorceleur. Ouh ! Et si c'était Fabricio qui faisait chanter le vampire, vous y avez pensé ? Il a des défauts, mais jamais je ne pourrais le soupçonner d'une telle chose. Il est très loyal. Il me doit tout ce qu'il a. Son père a dilapidé la fortune familiale. Il a laissé à son fils un savoir encyclopédique sur le vin, c'est tout. Fabricio vivait tel un train de misère avant que je le nomme intendant de Castel Ravello. Ce n'est qu'alors qu'il a commencé à s'épanouir. Alors, par où commence-t-on ? Voyons s'il ne manque aucun fût. Voici le registre d'inventaire. Le journal du vigneron. Fermentation terminée sans complications, percée au-dessus de la ligne de dépôt, et voilà, la mise en fût. À première vue, tout est en ordre. Tout est parfaitement détaillé. Alors suivons notre autre piste. Benoît disait que la tâche venait du millésime 1269. Trouvons-le. Il y a du pomino ici. Fiorano, le préféré de Jasquier. Il en raffole. Ah, oui. Lui et son palais soi-disant sophistiqué. Est, est. Je crois que tout le monde a entendu parler de ce vin. C'est un des meilleurs au monde. Castel Ravello est réputé pour sa production.
De l'air Vélus. C'est un vin sec. Ça me plaît. Un vin excellent. Vous avez bon goût. Réal, millésime 1270. Ce n'est point la bonne année. Cherchez encore. Là, 1269. Et maintenant ? Voyons s'il y a un fût vide. Vous voulez les ouvrir ? Pour l'instant, tapons simplement dessus. Si ça sonne creux, nous aurons trouvé ce que nous cherchons. C'est plein. Celui-ci est plein aussi. C'est plein. Celui-ci est plein aussi. C'est plein. Tous les fûts ont l'air pleins. J'ai bien peur que ce soit une impasse. Oui, ils sont pleins. Mais contiennent-ils bien du sang réal? Prenez un robinet et un marteau. Nous allons les ouvrir un par un et goûter. Je suis prêt. Commençons. Écartez-vous. Alors ? Je reconnaîtrai ce goût entre mille. Délicieux. C'est révoltant, de la piquette. En vieillissant, il a pu devenir aigre. Impossible. Ce n'est point du vin. L'immondice qui se trouve là-dedans n'aurait jamais dû être mise en fût. Son contenu n'est point arrivé là par hasard, j'en suis sûr. Alors allons voir ce que Maître Fabricio a à dire à ce sujet. Maître Fabricio, je suis fort désappointé. Mais, Votre Majesté, je... Vous êtes à deux doigts de perdre la tête. Dites la vérité si vous tenez à la garder. Je l'admets. J'ai vendu un fût de 100 réals. Je vous supplie de me pardonner. Pourquoi avez-vous fait ça ? Je n'ai point pu résister. On m'offrait une somme si faramineuse. J'ai cédé. Ne suis-je point assez généreuse ? Je voulais racheter le domaine de ma famille. Ici, rien n'est vraiment à moi. J'ai un toit au-dessus de la tête à manger, mais... qu'est vraiment un noble sans terre ? Je vous dirai tout si vous acceptez d'être clémente. À qui avez-vous vendu le vin ? Il y a quelques semaines, à la faisanderie, un riche noble s'est présenté.
Il disait être diplomate avec de bonnes relations à la cour. Il m'a proposé de faire affaire. Certains de ses clients lui avaient proposé des sommes vertigineuses pour une seule goutte de sang réal. Il devait servir d'intermédiaire. Le nom de cet homme ? Il ne l'a jamais dit. Il était grand, cheveux noirs, et il parlait avec un accent étranger. Il disait venir de Sintra. Il n'y a aucun aristocrate cintrien à ma cour. Le vin, comment l'avez-vous livré ? Nous nous sommes rencontrés après le crépuscule dans les ruines de Fort Astre. Une dizaine d'hommes est venue récupérer le vin. Des hommes armés, patibulaires. J'ai transporté un fût là-bas. Eux l'ont transféré sur leur chariot. Puis chacun est reparti de son côté. C'est tout ? C'est la dernière fois que vous les avez vus ? Eh bien, il y a quelques jours, un messager est arrivé. Il m'a dit qu'il voulait acheter un autre fût. Et je l'ai préparé. Il est prêt à être livré. Ça ira. Nous en savons assez. Votre Majesté, j'implore votre pardon. Hors de ma vue. Capitaine, dites à vos hommes de conduire Maître Fabricio au cachot. Il devra répondre de son crime. Il est accusé de haute trahison. Et maintenant, sorceleur ? Maintenant, il faut tendre un piège et capturer ces voleurs de vin. Le noble de Sintra est peut-être le maître chanteur. Je me chargerai du prochain transport jusqu'à Fort Astre. Damien et ses soldats me couvriront. Pour une fois, je suis d'accord. Nous suivrons votre plan. Prévenez-moi quand vous serez prêt. Je dois me préparer. Faites vite. Nous n'attendons que vous.